Les noces d'émeraude de l'Association des Servantes de Christ ont été célébrées du 26 au 31 mars dernier sur le site du 75e anniversaire des Assemblées de Dieu. Et puis le Premier ministre Dabiré chez le chef de file de l'opposition. Au centre de cette visite, la vie de la nation. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur la télévision de la famille. Sans transition aucune, allons au CEFOP où son Excellence Joseph-Marie Christophe Dabiré est allé échanger avec l'opposition politique burkinabé. On se rappelle que lors de son discours à la nation, le Premier ministre avait indiqué qu'il entendait fédérer toutes les entités de la vie de la nation pour l'édification d'un Burkina où il fait bon vivre. Nous l'écoutons au micro de Moïse Kinda. Je suis actuellement au siège du chef de file de l'opposition politique de notre pays. Parce que comme vous le savez, il y a quelque temps, j'ai présenté devant l'Assemblée nationale ma déclaration de politique générale. Et à l'issue de cette politique, de cette déclaration, j'ai estimé qu'il était bon de prendre contact avec les forces politiques du pays. Aujourd'hui, je suis au siège du chef de file de l'opposition et je le remercie pour l'accueil qu'il m'a réservé. Et je crois que c'était utile parce que nous avons eu des échanges sur un certain nombre de questions lié à la mise en œuvre de la déclaration de politique générale et également lié à la manière dont nous devons conduire ce pays-là vers des destinées meilleures. Le rôle de l'opposition, c'est de formuler des observations, des critiques sur la manière dont le pays est dirigé. Il nous appartient maintenant de voir le bien fondé de ces critiques, de voir si ça peut contribuer à améliorer la gouvernance au niveau de notre pays et de faire en sorte que ces critiques-là puissent être intégrées dans la démarche que nous sommes en train de conduire. C'est en cela que je remercie tous les présidents de partis qui étaient autour de la salle et autour de la table, et je remercie le chef de file de l'opposition pour tous les points de vue qui ont été émis, les observations qui ont été formulées, et dans la mesure où, comme vous le savez, bientôt le chef de l'État va engager le dialogue politique avec les forces politiques, de ce pays-là. Mon rôle à moi, c'est de travailler à préparer ce dialogue politique et de faire en sorte qu'il soit un succès, parce que c'est de cette manière-là que nous allons créer la convergence nécessaire à l'évolution d'ensemble du pays, tant du point de vue du développement que du point de vue politique. À la suite du Premier ministre, c'est un chef de file de l'opposition visiblement satisfait de la démarche que notre reporter a approchée. Que le CEFOP a eu l'honneur et le privilège de recevoir ce matin son Excellence Monsieur le Premier ministre Dabiré. C'est une démarche de courtoisie qu'il a menée à nos locaux, laquelle démarche nous va droit au cœur. D'abord par son principe, le fait qu'il ait pensé approprié et utile de venir échanger avec donc l'opposition politique et son chef, mais surtout dans son symbole, puisque c'est la première fois qu'un chef de gouvernement pense utile de se déplacer au niveau donc du chef de file de l'opposition. C'est un signe distinctif de considération que je tiens, Monsieur le Premier ministre, à saluer de la manière la plus solennelle qui soit. Nos entretiens, bien entendu, comme il l'a dit, sont préparatoires à d'autres entretiens dans le cadre d'un dialogue politique qui surviendra bientôt. C'est toujours pour l'opposition une bonne occasion de pouvoir échanger avec ceux qui ont en charge la gestion du pays. Nous sommes une opposition républicaine, patriote, qui, chaque fois que le besoin se fera sentir, n'hésitera pas à aller à la discussion, au dialogue, pour donner sa version des choses, sa compréhension, ses propositions et ses recommandations à ceux qui en ont donc la charge de la gestion du pays. Avec le Premier ministre ce matin, nous avons commencé à évoquer un certain nombre de questions et qui, bien entendu, feront l'objet d'échanges beaucoup plus élargis dans le cadre de dialogue donc à venir. C'est une fois de plus l'occasion pour moi, pour tenir le propos, de réitérer notre remerciement au Premier ministre pour sa disponibilité à notre endroit, sa courtoisie, sa considération, et lui redire ici toute notre disponibilité aussi à continuer avec lui ce qui est déjà s'amorce comme un dialogue politique. Je retiens aussi ses propos, nous connaissons de pas d'aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de siéger avec lui au sein du gouvernement de Blaise Compaoré, on peut le dire,
dans des fonctions assez importantes l'un et l'autre. Ça m'a donné l'occasion de le connaître, de l'apprécier, de le juger sur à la fois ses qualités professionnelles et ses qualités humaines. Et je ne suis pas étonné un peu de la démarche qu'il nous sert aujourd'hui. Monsieur le Premier, je vous remercie. Merci. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Eh bien, c'est cette substance du verset 20 de Philippiens 4 qui a servi de cadre à l'Association des Servantes de Christ pendant 6 jours sur le site du 75e anniversaire pour marquer, n'est-ce pas, leur 40e anniversaire. Eh bien, elles étaient plus de 18 000 femmes venues des différentes provinces du Burkina Faso et de plusieurs autres pays d'Afrique, d'Europe et de l'Asie. Voilà, elles ont été enseignées sur le site du 75e anniversaire à l'occasion de leur 40e anniversaire et bien entendu de leur 16e convention nationale. Sur cette parole, je dis, c'est par une pinasse, pas pour soi, tout ça. Et les actions de grâce du 40e anniversaire de l'ASC. Primeur par qui ? Les portes sont fermées. C'est sur ces paroles qu'a pris fin la 16e convention nationale de l'Association des Servantes du Christ du Burkina Faso. En 100 ans d'existence des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, l'Église a vu la multiplication des femmes en nombre et en quantité. Et pour marquer la célébration des 40 ans de la création de l'ASC, l'accent a été mis sur des thèmes comme le pardon entre elles, mais aussi avec leurs époux et leurs familles, la plénitude du Saint-Esprit afin de refléter Christ en tout temps et en tout lieu. Pour la présidente de l'ASC, ce sont des enseignements profonds qui seront bénéfiques pour toutes les participantes, mais aussi pour leur entourage. Sous la conduite du Saint-Esprit, du Dieu vivant, ces thèmes ont été développés par d'éminents serviteurs de Dieu venus de la Corée et du Burkina Faso. De la substance des enseignements qui ont été dispensés selon les termes, il faut retenir que le pardon est une chose essentielle dans la vie du chrétien parce qu'il lui permet de vivre selon la parole de Dieu, de guérir, d'être restauré. Jésus est la puissance de rédemption et le Saint-Esprit est la puissance de la sanctification. Et que le but final d'avoir le Saint-Esprit, c'est d'être comme Jésus. Les participantes se disent renouvelées et prêtes à mettre en pratique les enseignements reçus. Nous avons été très, très, très émus. Nous avons vu beaucoup, beaucoup de choses qui nous ont édifiées, surtout le ballet, l'enseignement. En tout cas, tout était riche et ça nous a fait assez de bien. Nous avons appris beaucoup aux côtés de nos sœurs de l'ASC du Burkina. Ce qui m'a beaucoup personnellement plu, c'est la relève. Il faut préparer les jeunes sœurs de demain, pour qu'aujourd'hui, nous qui sommes là, ces jeunes sœurs-là, après, puissent nous remplacer. Ça, ça m'a beaucoup fait du bien. Ça m'a fait assez de bien. Et nous pensons qu'en Côte d'Ivoire aussi, ça va nous servir beaucoup. Alors, tout ce que nous pouvons retenir, sur tout ce qui vient de se passer, c'est de dire merci à Dieu pour toutes ces années, 40 ans de marche avec le Seigneur, montre beaucoup de choses. Premièrement, ça montre la fidélité et la grâce de Dieu et beaucoup de consécration dans l'œuvre. Et cela nous montre aussi que ça continue. Le Seigneur nous tend encore la main et que nous devons le servir réellement de tout notre cœur en tant que femme. Vraiment, nous sommes bénis. Béni vraiment de venir participer à ces moments. Les principaux orateurs étaient le docteur Kim et son épouse venus de la Corée du Sud et le docteur Saba Salam, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de Tassasco. L'un des faits marquants de cette célébration fut la naissance de la petite Barkouende Emerald Claudine, née sur le site du 75e anniversaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso dans la nuit du 27 mars au 28 mars 2019. Elle a donc été consacrée solennellement au Seigneur au terme de cette rencontre.
16e convention nationale, je le disais tantôt, et également 40 ans d'existence, l'association des servantes du Christ des Assemblées de Dieu de Burkina Faso a célébré officiellement hier dimanche ses noces d'émeraude en présence bien sûr de plusieurs personnalités sur le plan politique, spirituel que coutumier. Ce défilé pour planter le décor de ce culte de clôture de la 16e convention nationale de l'Association des servantes du Christ. Les délégations étrangères, les 62 régions ecclésiastiques du Burkina, toutes se sont faites distinguer à cette parade. Le défilé achevé, le culte peut maintenant commencer. Des prestations diverses des allocutions étaient entre autres les temps forts de ce culte. Pour celle qui préside depuis 8 ans maintenant cette association, ce ne sont que des sentiments de joie et d'action de grâce à l'endroit du Dieu fidèle. Ces sentiments d'action de grâce, de louange et d'adoration à notre Seigneur qui nous a vraiment étonnés par le nombre de participantes et la qualité de l'enseignement. Les enseignements ont été formidables. Nous, depuis 4 ans, nous nous préparions pour cet anniversaire parce que nous avons encore des défis à relever. Mais nous ne nous entendions pas à ces enseignements à la hauteur vraiment que nous n'espérions pas. Mais l'Éternel, dans toute sa grâce, comme d'habitude, s'est montré le Dieu glorieux, le Dieu qui agit au-delà de nos attentes quand il voit les cœurs qui le recherche de tout cœur, il vient et il glorifie son nom. Ce qui me réjouit pendant ce parcours, c'est la mobilisation des femmes. Les femmes se sont multipliées en quantité et surtout en qualité. Et le président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso de saluer l'œuvre de ces femmes à sa juste valeur. Au cours du dernier message de cette rencontre donnée par le docteur Michel Ouédraogo, l'accent a été mis sur le souvenir pour aller de l'avant. Il faut se souvenir de ce que Dieu a fait pour mieux projeter l'avenir. Je veux dire que, alors spirituellement d'abord, je dirais, c'est comme j'ai parlé et j'ai fait le message, j'ai simplement dit que la recommandation de l'Église nationale et dès qu'elle parte, alors et que réellement elle mette en pratique la parole du Seigneur Jésus, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Ce qui veut dire allez et de montrer par votre vie, par votre attitude, par vos manières de faire, alors que Christ est vivant, il pardonne et il soutient. Deuxième chose, travaillez à la cohésion de l'Église, à ce que les femmes, toutes les femmes, soient unies. Alors qu'elle se pardonne, qu'elle soit, elle mène une vie exemplaire dans les pays, dans les villes et dans les villages, pour qu'au Burkina règne la paix. Qu'en 40 ans, l'Église a évolué, les femmes réellement, numériquement parlant, eh bien, réellement sont devenues nombreuses. Et réellement, je peux dire que le Seigneur a entendu nos prières, le Seigneur écoute la prière des femmes. Et elles sont battantes, elles travaillent, elles luttent pour l'épanouissement de l'Église. Une invitée spéciale à cette célébration, la première dame du Faso, Dame Sika Kabore. Elle a saisi l'occasion pour assurer à l'ANC son soutien et son accompagnement, surtout à travers sa fondation Kimi qui œuvre pour le bien-être de la femme au Burkina Faso. Je voudrais rendre grâce au Dieu Tout-Puissant, source de toute bénédiction. C'est un honneur pour moi de pouvoir m'adresser à vous pour vous encourager et vous exhorter à continuer à travailler, à être une aide précieuse pour l'homme, selon Genèse 2, verset 18. La célébration des 40 ans d'existence de l'Association des Servantes du Christ de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso représente un événement d'une grande importance quand on sait que la vie associative dans notre pays a connu un développement assez lent et difficile. Au terme de cette célébration, des distinctions ont été faites à plusieurs personnes ayant apporté leur pierre à la réussite de ce rendez-vous solennel.
Tout autre chose à présent, et nous disons que l'Association pour la solidarité locale célèbre en différé la commémoration des festivités du 8 mars. Elle a tenu une conférence publique ce vendredi 29 mars dernier à la Maison de la Femme de la Cité du Cavalier Rouge. Sous le thème « Contribution de la femme à l'édification d'un Burkina Faso de sécurité, de paix et de cohésion sociale ». Odette Zouanguena y était et voici son compte-rendu. Nous sommes à la Maison de la Femme de la Cité du Cavalier Rouge où une centaine de femmes y sont réunies pour un objectif, se faire former. En effet, en marge des festivités du 8 mars, l'Association pour la solidarité locale dans son plan d'action a commémoré en différé cette journée en vue de valoriser les compétences de ses membres et de leur insuffler un nouveau dynamisme. Et le thème en actualité et nous va droit au cœur, c'est pour cela que nous avons initié cette conférence-là. L'association a pour objectif d'aider les femmes, et les jeunes, les enfants. Les jeunes par la formation, et les enfants avec la scolarisation, et les femmes avec des microcrédits. Une initiative très fort appréciée par la députée qui est par ailleurs la présidente d'honneur de la dite association. D'abord, que les femmes se convainquent qu'elles sont sur le bon chemin. Le chemin de se cultiver, le chemin de se nourrir l'esprit, le chemin de se former. La majorité des mamans que vous avez vues, elles sont analphabètes, mais ce sont des braves femmes, des femmes très intelligentes qui veulent agir. Contente de l'engouement des femmes, elle n'a pas manqué d'appeler à l'union. Je sonne la cloche de la mobilisation autour de l'amitié, de la fraternité. Faut pas voir quelque chose d'autre les femmes. Que ma religion, mon parti politique, mon quoi, non, faut voir ta féminité. Le thème « Contribution de la femme à l'édification d'un Burkina Faso de sécurité, de paix et de cohésion sociale » a été abordé de long et en large par le directeur provincial de la femme pour qui la femme a un rôle prépondérant à jouer dans la stabilité du pays. Nous attendons donc qu'elle soit des relais. Donc comme vous le savez, donc le défi sécuritaire appelle donc la contribution donc des filles et filles donc de ce pays. Voilà, la contribution donc de tous les acteurs. Donc, elles doivent être des relais donc, auprès donc, de leur famille et également auprès des communautés. Conscientes de leur part à jouer, ces participantes se disent prêtes à emboîter le pas. Quand je vais arriver à la maison, je vais bien parler à mon mari pour lui bien, pour l'expliquer bien, pour qu'il sache que l'épanouissement de la femme, ce n'est pas la femme qui sera l'homme de la maison, c'est en s'associant qu'on doit former la famille. Outre cette conférence, l'Association pour la solidarité locale attend les jours prochains faire un don de sang, effectuer une visite aux malades et aux pensionnaires de la maison d'arrêt et de correction de Koudougou. C'était là notre version de l'actualité sur la télévision de la famille. Dames et messieurs, on se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités, bien entendu. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée et surtout une excellente semaine en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.